Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Moun gen mousse, son ba est normal. Mais nous-mêmes, haïtiens, état émotionnel, non. Nous toujours voulons pour aller au niveau des extrêmes. Nous toujours voulons pour aller même au-delà des extrêmes. Et lorsque vous allez au-delà des extrêmes, vous venez bloquer. Par exemple, vous prenez un mot émotion, et vous prenez une racine latine, et movere, et hors de movere mouvement. C'est-à-dire hors de mouvement, ou bloqué. Donc lorsque vous n'avez pas qu'à avancer, ou bloqué, c'est sûr qu'on va le faire back. Donc tout le temps, je ne parle pas de qui ça. Je ne parle pas de Dessalines. Je ne parle pas de Capolamor. Je ne parle pas de Christophe. Je ne parle pas de tout ancêtre. C'est normal pour venir ancêtre. Mais nous ne sommes pas capables tout le temps d'apprendre non ancêtre pour nous capables de résoudre le propre problème par nous. Ou bien comme si pour nous exploiter nos ancêtres pour nous régler affaires personnelles par nous. Parce que l'état émotionnel, ça fait que nous n'avons pas qu'à avancer. Et que quand on est là, si on est là, on pense à héros, eh bien, c'est pas. Parce que pour dire que le pays, ça, qu'on est là, il faut gagner de nouveaux héros, de nouvelles héroïnes pour être capable d'avancer. Eh bien, côté de ça, il n'y a pas de fond pour. Côté Christophe, il n'y a pas de rien pour. Côté tout en cette chose là, il n'y a pas de rien pour. Petit, pas de rien pour. Donc, quand il est là, père de famille, ça, qui respecte tête-là, qui travaille d'arrache-pied pour bailler petit qui manger, pour permettre à la famille et bon mieux être, qui n'est pas dans la corruption, que la travaille dans l'État, que la travaille dans le privé, ça, son héros lié. Par exemple, mère de famille, ça, qui lui-même, qui a occupé petite li, a occupé Marie li, qui a occupé Kali, qui a notre cap travail, et que comme travail, la permettre la famille d'avancer. Ça, son héroïne lié. Expliquez Mounio, c'est bonne façon de dire que ou la gueule dans l'histoire, ça, héroïne était fait, comme si vous avez dit, de ça, il n'y a pas retourné, alors que nous n'avons qu'à continuer. Dans l'esprit, dans l'idéologie que vous avez défendu. Vous avez puisé ça, vous avez fait après ça, vous avez fait pour nous faire payer la route que vous voulez. Alors tout à l'heure, nous avons parlé de héros. Mm-hmm. Donc, pour nous continuer, nous avons dit que par exemple, un petit monde, comme si vous côté maman, un papa, qui peut parler dans le monde, tout ça c'est héros par rapport à la délicatesse que nous avons là. Par exemple, un paysan qui a planté la tête d'eau. Tout ça, c'est dans des conditions difficiles, ça, tout le monde sait. Alors, état émotionnel, ça, ok, que nous t'avons expliqué, là, qui fait tout un nous voulons tout en retourner en arrière, avec les problèmes économiques que le pays a confronté là, avec augmentation de accroissement de la population. Hein. Et puis, information qui tout partout. Par exemple, la Télé Guinée a fait mission là, donc son émission qui va jusqu'en Chine. Donc tout ça fait que vous venez gagner un pays qui est en crise. Et que crise ça, et vient fait que vous venez gagner un pays, ça dit une dialectique qui est folle. Vous dit que la dialectique la folle dans le pays. Là. Lorsque, par exemple, on a parlé de par exemple, un chef de gang qui a fait une conférence de presse alors qu'il est cherché par la police. La dialectique est folle. Par exemple, l'on prend un conseil de qu'il a pour faire des armements qui dit que lui-même l'a allié gang. Donc là, on a dit non pays ça, la dialectique est folle. Par exemple, l'opposition qui après 3 mois
ou affaibli un pouvoir. Et que, au lieu de dialoguer avec lui, c'est enfoncer ou enfoncer et situation dans le pire côté où, au lieu où tu as. Parce que le président, encore, il dit qu'il était senti l'affaibli et qu'il était capable de négocier. Non, on dit qu'immédiatement pour quitter le pouvoir, pour aller en prison avec toute madame Lee. Donc là, où tombe nos politiques de l'âge. Donc la diadie, c'est qu'elle est folle. Et c'est ça qu'on va expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'où gagne un état émotionnel qui est au-delà des extrêmes. Et qu'on y a ça qui vient passer. Eh bien, où vient gagner un pouvoir qu'on est là, qui, on ne dit même pas rester grégaire, qui lui-même que pour lui venir renforcer. Alors tout ça c'est suite à problème pays là. Il vient de refermer sur lui-même pour faire un CP. Pourquoi l'étendre que pas de dialogue et que lui font la font constitution là pourquoi? Et que là, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc, c'est peut-être ça nous-mêmes, nous toujours à insister sur pour nous dire que ça chercher nous-mêmes, c'est une union, unité de tous les Haïtiens, de tous les Haïtiennes, de tous les Kiskiens, de tous les Kiskiennes, et sous l'égide de l'étoile jaune de Kiskeya, symbole des nouvelles armoiries de la République. Parce que l'un n'a pas parlé de changement d'armoiria, et nous-mêmes, nous, l'étoile jaune de Kiskeya, comme nouvelle armoirie de la République. Mais, et lorsque on n'a pas parlé de changement d'armoirie, c'est pas... C'est pas on mari pas arrêté le vin comme ça pour col. Ouais, pour l'op pour un mari, c'est au cas dit c'est la vigie. La vigie, ça dit que qu'on sorte de sentinelle qu'on peut observer. Mais derrière, un mari, ça, il y a toute une idéologie là, derrière. Et par contre, si on a bien temps, on aborde des idéologies qui se là. Et c'est ça que tu as expliqué, qui a expliqué tout bagaille ça. Par exemple, et le slogan que le président de la République a été venu avec, elle a fait campagne, l'idiot est nous gagnons jardin, nous gagnons rivière, nous gagnons soleil, là, et puis nous gagnons mounio. Alors, mounio pas fin, alors, mounio prenne comme ça, mais mounio pas fin, ouais. Explication que le président de la BCE bail dans le magasin. Lorsqu'on parle de jardin, c'est la paille de terre. Lorsqu'on parle de soleil, la parle de éléments feu, lorsqu'on parle de rivière, la parle de l'eau. Mais lorsqu'on parle de mounio, la parle de éléments air, là, mais c'est là pour le problème. L'homme haïtien, pas après. Parce que ça peut expliquer là, pour comprendre. La parler des outils de développement. La parler de des outils pour capables et utiliser pour développer le pays. Mais c'est là. Si vous gagnez outils ça en amont, mais ou pas prêt pour capable pour capable d'utiliser. Eh bien, tout le temps, c'est ça qui va le passer. Eh bien, on parle, ou pas le fond en route, et puis on pas capable de tout tourner en route là, ou t'as pas le craser. Ou bien, par exemple, là, qu'on est là, ou pas le mettre un poteau, un côté, ou bouler poteau, là, comme ça, qu'on va bouler l'appareil pour capable d'asphalter route. Donc, l'homme, donc, c'est même genre avec George Floyd, Capdou, qui n'a pas inspiré. Donc, nous-mêmes, là, nous avons un problème d'identité nationale. Nous partis à la recherche de cette identité nationale. Maintenant, au niveau parti, il y a qui gens pour rejoindre l'identité ça. Il y a un peu l'aspect culturel que nous devons considérer là-dedans. Absolument. Oui, mais je ne pense pas qu'on aborde l'aspect culturel là, je veux dire. Mais l'identité nationale là, il y a un cap dit que. Moi, rien de rapport à cette identité nationale et que, bon, c'est son mec
qui cap toujours là. Ce n'est pas vrai. L'identité nationale, là, c'est son sentiment lié, son sentiment d'appartenance. C'est son sentiment que un citoyen éprouvé, que le senti qu'il fait partie de une société. C'est ça qui identité nationale. Alors, vous dites sentiment, ça qui donc, c'est une conscience plus ou moins claire. Moi, ça me fait une conscience de plus ou moins claire de qui ça qui haïtien. Moi, ça me dit. Et, par exemple, on prend américain, on parle du rêve américain. Mais rêve américain, c'est qui ça? Il dit que c'est travail à travail pour changer ville. Il a changé ville, il a changé pays. Mais qui veut ça qui rêve haïtien? Très souvent, ouais, que haïtien, les mêmes soeurs, vous pensez que, les ouais, que c'est arriver dans l'État pour vivre riche. Est-ce que c'est ça qui rêve haïtien? Est-ce que c'est vouloir quand même pour arriver dans l'État pour vivre riche? Est-ce que c'est ça qui rêve un citoyen au pays? Donc c'est pour nous son problème identitaire que nous gagnons. Et que ou te mettre changer président vle, ou te faire sauver tout autant ou pas comprendre l'identité nationale là, ou pas capable d'évoluer, gens pour évoluer. Là. Parce que c'est ça qui pour permettre l'évolution. Alors effectivement, et pour qui ça, justement, il n'y a pas jamais aborder aspect troisième niveau système là, c'est aspect culturel là que bon, on va continuer à temps pour aborder. On regarde identité là qui gens pour nous rejoindre, par exemple, on regarde de sentiment d'appartenance, on demande qui ça qui ca c'est son bail qui inné, c'est le tout manifester dans monde là. Quel bon sentiment d'appartenance, estimé là c'est pour lui, il y a intérêt pour le travail, pour le progrès, pour le protéger, parce que c'est pour lui. Ça c'est un élément. Après ça, on va regarder l'identité culturelle qui a le fait de nous, véritablement, il joint ça, c'est l'identité, ça, et ça fait le sentir, c'est haïtien. Ok. Et culture là, c'est. C'est ça qui caractérise un monde qui vit toute une société, du point de vue artistique, du point de vue l'être, du point de vue des croyances, tout ça. Donc, il y a deux aspects là. Par exemple, soit pour l'aspect culturel là, on va parler de croyances. Gé croyance et religion. Croyance, c'est dans ça ou quoi. Mais gé religion. Religion lui-même, c'est justement c'est ensemble des croyances qui ensemble des croyances qui forment religion. C'est ça qui fait part de religare, c'est relier. Donc c'est religion est là pour relier tout le monde ensemble. Par exemple, l'on prend l'islam, l'on prend mon arabe là, ils sont tous liés avec religion islamique. L'on prend la chrétienté, l'on prend le européen, ils sont tous liés à religion chrétienne. Et où elle constate en Chine, au Japon, tout ça. Donc, tout peuple en général, il est lié à un bagage, à une croyance, mais il a créé une religion. Une religion qui pour permettre, comme si il y a une unité entre eux-mêmes pour être capable d'avancer. Mais l'Europe prend nous-mêmes haïtiens. Nous, ouais, que, par exemple, moi, propre africain, par exemple. Africain, chaque pays en Afrique a une propre croyance. Par exemple, l'Europe prend les Guinéens, il y a une croyance. L'Europe prend les Nigériens, il y a une croyance. L'Europe prend les Congolais, tout le monde a une croyance. Mais
Et vous ne pas mélanger avec l'autre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre l'autre, mais c'est ça. Mais nous-mêmes en Haïti, bon, ces problèmes historiques-là, c'est que vous gagnez comme si vous gagnez au début, vous gagnez une sorte de mélange avec tout le monde. Vous gagnez une croyance autochtone, vous gagnez une croyance africaine, mais vous n'avez pas de croyance africaine. Vous gagnez plusieurs peuples qui sont dans différents contrées, surtout partie ouest Afrique là. Donc haïtien lui-même lui divisé, parce que qu'on bagaille pour comprendre, c'est que pas de religion haïtien, pas de religion vaudou, elle est pas de vaudou, vaudou pas et pas en religion. Alors l'on prend Jean pour concevoir ça les religions, hein. Religaria, vous avez plusieurs croyances, mais vous n'avez pas qu'à parler de religion, mais plutôt de plusieurs croyances. Et plusieurs croyances, ça y est, on prend les croyances autochtones, on prend les croyances qui sont en Guinée, en Nigeria, tout ça y est, ils te permettent de motivation. Et motivation, ça, avec dit, communication, langue créole, là, c'est ça qui baille nous indépendance. Là. C'est ça qui baille nous indépendance. Là. Mais après indépendance, là, on vient gagner et la mort de Dessalines. Mais la constitution du 105, là, il parle de, par exemple, il dit que la loi n'admet point de religion dominante. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas ce que le fait. Mais après la mort de Saline, et que qu'on y a là, on vient de gagner la constitution 1806 là, côté la religion catholique, apostolique et romaine, étant celle de tous les Haïtiens, est la religion d'État. Donc, ça veut dire que qu'on y a là, on vient de gagner un rejet de toute bagaille ça. Yo. C'est comme si on l'armée, qui permet aux jeunes, qui peut permettre de remporter la victoire pour laguer tout le bagaille. C'est qu'on compte un monde qui pas parlé, il fait lire et puis il lague dans la rue. Donc là, on prend un monde qui lague dans la rue. Eh bien, à ce moment-là, qu'on est là, n'importe qui est en Marseille pour faire ça au Bravel. Moi, ça me dit. Donc, on vient gagner tout le bagaille, ça, yo, qui fait que on vient gagner une sorte de disons, on pas gagner harmonie hein, au niveau de haïtien lui-même. Qu'on est là, qui ça nous-mêmes, qui ça n'a pas d'idéologie kiskéenne, qui ça nous-mêmes pour nous penser de tout bas ça. Mais même t'as qu'à dire que c'est pour la première fois dans le pays ça où tu as gagné l'État qui représentait le pouvoir temporel, qui était en phase avec Saota Karele, le pouvoir temporel et avec toute la spirituelle. Ça. Pour qui ça? Par exemple, parce que qui ça que comme si on n'a pas eu de révolution qui se là. Il y a plusieurs aspects là-dedans, okay? Mais par aspect ça, côté grande division haïtien, quand on parle de conférence nationale, nous ne parlons pas de conférence et de la culture, conférence nationale de la culture. Quand on prend tout le monde, on met là-dedans. Quand on prend ethnologue, sociologue et vaudouisme, bien sûr, parce que c'est concerné. On prend ingénieur. Ou pour un architecte. Alors, pour nous, on a dit, pour qui c'est ingénieur avec architecte? Alors, on prend toute force vive PIA pour faire une conférence, pour faire justement une conférence nationale sur la culture, pour capable et joindre un point, un
un point d'entente. Quand tu as un bail sectoriel, vous avez seulement sous culture, vous faites. Non, comprenez, pour qui ça? C'est-à-dire que son problème national, bah, ça, il faut qu'on soit capable de résoudre avant. Parce que gros problème d'identité nationale, il faut qu'on résoudre. Par exemple, on va parler de. Si par exemple, on aller sur Google, on va parler de religion catholique. Nous allons finir. Il a pratiquement arrivé sous nous. Et prend du temps pour nous. Donc, ça veut dire que. On va parler d'édifice. On va parler de grands édifices. De gros, de grands. Alors que là, par exemple. Il n'y a pas de... Alors qui ça, à qui ça a quoi dans ça pour l'aboutir? Faut aboutir à une institution religieuse indigène. C'est à ça pour l'aboutir. Ok. Docteur Jean-Gilles, on a fini, mais m'a bas une minute pour dégager les perspectives et de partis qui ça en termes de proposition parti révolutionnaire qui se fait par rapport à la situation que vous décrivez là, et malgré une question de changer à moi, qui ça nous fait en termes de proposition pour nous faire. Alors c'est peut-être ça, bon, parler de Tensa parce que Léon Tijan et ne sont pas assez pour me parler de ça parce qu'ils n'ont pas qu'être des bagages ça de conférences ça que nous tapons expliqué là mais ça pour nous comprendre c'est son unité nationale qui pour faire qui pour changer le problème pays. Mais il faut avant tout comprendre que c'est pas c'est Haïti d'abord. C'est ça qui est important dans toute base. Une citation française, Gabdo, l'apprenti. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.